Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc ce sondage sans tabou sur les stars de la télé publié ce matin par le magazine Téléstar. Un sondage dans lequel les Français ont désigné les animateurs les plus sexy, ceux dont ils se sentent le plus proches, mais aussi les plus ringards. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, expliquez-nous comment ce sondage a-t-il été réalisé tout d'abord et quels animateurs tirent leur épingle du jeu. Eh bien c'est parmi une sélection de 32 stars du petit écran que les 1045 individus sondés par l'Institut Harris Interactive ont pu se prononcer, tout d'abord en choisissant la personnalité télé la plus marquante de l'année, et chez les hommes, le grand gagnant est sans surprise Cyril Hanouna, avec 14,2% des votes, une victoire notamment due au succès grandissant de Touche pas à mon poste. Normal, oui. Quant aux personnalités féminines, la grande gagnante est Élise Lucet, présente depuis maintenant 10 ans au Trésor de France 2. La journaliste et son ton sans langue de bois semblent faire la différence auprès des sondés. Autre catégorie, et c'est celle qui nous intéresse le plus Thomas, les animateurs les plus sexy. Ah bon ? Alors chez les femmes, bah oui, c'est Karine Ferry qui l'emporte, un résultat dont l'animatrice de TF1 se félicite dans les colonnes de Téléstar. Elle explique que recevoir cette distinction alors qu'elle est enceinte lui redonne confiance en elle. Karine Ferry est suivie de près par Karine Le Marchand et Sandrine Quétier. Quant à la personnalité masculine la plus sexy, il s'agit de Laurent Delahousse. Look impeccable, mèche élégante et regard perçant, la star de l'info fait mouche auprès des Françaises qui rêvent de Laurent Delahousse pour une nuit mais aussi pour la vie. Le journaliste arrive également en tête du sondage de la personnalité télé que vous aimeriez épouser. Sophie, je suis obligée de vous poser la question. Laurent Delahousse, s'il vous plaît, animateur le plus sexy. Non. Vous aimeriez pas passer votre vie avec lui ? Mais ça va pas, mais j'ai déjà quelqu'un moi pour passer ma vie, j'ai pas besoin de Delahousse. Hein. Ah oui, c'est vrai. Dans ce sondage, les Français ont également désigné les animateurs dont ils se sentaient les plus proches. Et chez les femmes, c'est encore Élise Lucet qui triomphe avec 11,5% des suffrages. Son image de journaliste sans filtre qui n'hésite pas à dénoncer les agissements des puissants joue en sa faveur. À noter également la présence de trois animatrices d'M6 dans ce top 5 des personnalités télé féminines dont les sondés se sentent le plus proches. Karine Le Marchand, Christina Cordula et Faustine Bollaert. Du côté des animateurs, c'est Jean-Luc Reichmann qui arrive en tête. Il faut dire que l'animateur s'invite chaque jour chez les Français avec son jeu du midi sur TF1 dans lequel il nous prouve qu'il est proche de tous les candidats de 7 à 77 ans. Et derrière lui, on trouve Michel Simès, Jean-Pierre Pernaut, le chef Philippe Etchebest et une nouvelle fois Cyril Hanouna, décidément plébiscité par les Français dans ce sondage. Les catégories qu'on vient d'évoquer sont plutôt positives, mais il y en a une autre qui risque de moins plaire aux animateurs qui y figurent. Oui, cette catégorie, c'est celle des animateurs les plus ringards. Alors chez les personnalités féminines, Claire Chazal est propulsée en tête suite à son départ de TF1. Elle est suivie par deux femmes de caractère, Laurence Boccolini et Christina Cordula, principalement jugées ringardes par les hommes. Téléstar s'interroge si ces derniers auraient quelque chose contre les rondes ou les donneuses de leçons. Et enfin, la personnalité masculine la plus ringarde de l'année selon ce sondage, c'est Patrick Sébastien qui récolte 17,4% des suffrages, notamment à cause de son humour dit pas très raffiné. Patrick Sébastien, animateur le plus démodé, un choix surprenant lorsqu'on sait que les Français sont très nombreux à suivre les grands divertissements populaires de l'animateur sur France 2. Et puis Patrick Sébastien est aussi une grande source d'inspiration pour Cyril Hanouna, désigné personnalité télé de l'année des Français dans ce même sondage. Alors rien que pour ça, Patrick Sébastien mérite bien un petit hommage en musique ce matin. Vous étiez obligé, Guillaume. Eh oui, j'adore Patrick Sébastien. Moi. C'est quoi ça? C'est le petit bonhomme? Mais oui, on adore cette chanson. Hein? Pas vous, Thomas ? Bon, en tout cas, ça met de l'ambiance le matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Guillaume Janton. Hein. Comme quoi, ça prouve qu'on peut aussi être ringard et populaire, finalement. Hein. Absolument. Vous revenez tout à l'heure pour le journal des médias.